Eh bien, salut à tous amis, c'est Antin68 et bienvenue pour la première vidéo de l'année. Donc, bonne année à tous en vous souhaitant tout le meilleur pour cette nouvelle année. Qui dit première vidéo de l'année, qui dit récap de l'année 2023 et planification de l'année 2024, comme j'ai pour habitude de le faire chaque année. 2023 était une bonne année pour ma part, je suis passé sur un nouveau logiciel de montage qui me permet de faire de la meilleure qualité de montage. Maintenant, je peux par exemple monter des vidéos en 21/9 pour afficher la totalité de mon écran, et ça c'est cool vu que j'ai justement changé d'écran au Noël dernier. En début d'année, nous avons aussi fait une série Minecraft sur un serveur communautaire où j'ai pu jouer avec vous. C'était une expérience qui était vraiment cool et très intéressante, et je ne suis pas fermé à l'idée d'en refaire un autre une autre fois. Puis malheureusement pour vous, à cause de mes études, depuis septembre je suis beaucoup moins actif par manque de temps et de moyens. Malgré cela, j'essaie quand même de vous faire des vidéos de temps en temps comme aujourd'hui. Mais rassurez-vous, j'essaierai de reprendre le rythme une fois que je les aurai finis. Maintenant, pour cette nouvelle année, déjà, j'aimerais bien changer certaines choses niveau visuel sur la chaîne. Comme l'outro que je n'ai littéralement pas changé depuis le tout début. Donc il serait temps. Comme vous avez aussi pu le voir pour certains, j'ai changé ma photo de profil. Pareil, elle datait du tout début, donc il fallait que je la change, et honnêtement, je la préfère largement maintenant. Comme vous pouvez le voir, elle est plus personnelle et bien plus lisible. Le seul problème, c'est que mon intro, que j'ai changé courant 2023, il y a encore mon ancien logo dessus. Et le seul problème, c'est que je n'ai plus les dossiers de l'intro. Donc impossible de la modifier. À voir si je change aussi l'intro ou pas. Et je vous l'avoue que ça trotte dans ma tête de plus en plus et que ça fait un petit moment que j'y pense. Mais je songe peut-être à changer de pseudo. Pour un pseudo un peu plus mature, en guillemets, qui me correspond un peu plus à ce que je suis actuellement. Car j'ai quand même ce pseudo depuis que j'ai 10 ans, donc ça fait quand même très longtemps. Après, le truc, c'est que je suis très nul pour tout ce qui est pseudo et nom, donc ce n'est pas pour tout de suite que je vais le changer. Parlons maintenant des séries et des jeux que j'aimerais faire durant cette année. Déjà, il y a énormément de jeux que je n'ai pas eu le temps de faire par manque de temps, donc à voir si je les ferai cette année ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une série Minecraft dont j'ai l'idée depuis un bon petit moment et que je compte faire. Si jamais je ne trouve pas le temps dans mes études, il va falloir attendre août que je le finalise malheureusement. Pour vous teaser un petit peu, ça va être une série qui va nous donner un avis un petit peu nostalgie et qui est quand même assez innovant, et on va voir si ça a marché parce qu'il risque d'avoir certains petits problèmes de map. Mais en tout cas, j'ai hâte. Pour Lumber Tycoon 2, cette année, il faut vraiment que je me motive à faire ce fameux grand musée dont je vous parle depuis si longtemps, où je stockerai chaque item du jeu à l'intérieur. Le truc, encore une fois, c'est que ça va me prendre un temps colossal, et en ce moment, j'en ai pas trop, malheureusement. Pour les nouveaux jeux, même si je débute encore dans ce type de jeu, vu que c'est mon tout premier, mais je compte faire des vidéos sur un jeu FPS. Oui, oui, vous avez bien entendu, un jeu FPS, je vous laisse deviner lequel ce sera. Et sinon, je me suis dit pourquoi pas faire une FAQ cet été, vu que j'en ai jamais fait, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je vous redirai encore tout ça sur mon serveur Discord au moment venu, bien sûr, lien en description. Bon, je pense qu'on a fait le tour, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais on verra bien ce que cette année 2024 nous réservera. En tout cas, merci à tous ceux qui continuent à me suivre après toutes ces années, ça me fait très chaud au cœur, je vous en suis très reconnaissant. Je vous aime les gens, c'était Rolantin68, ciao ciao!